l'équipe Racing Team Germanie. He will have a good bike, I hope. J'espère que cette année, il aura une bonne moto. Yes, I think so. Ils ont une bonne moto cette année, ils ont des bons mécaniciens. C'est une équipe jeune, avec beaucoup de talent et qui a toujours le sourire aux lèvres. Et comme Louis aussi, normalement, ça devrait faire des bons résultats. Thanks very much, Dirk. Thank you. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Louis Rossi. Avec des personnes qui se sont déjà battues pour des podiums et même pour un podium final en fin d'année. Donc c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui savent extrêmement bien de quoi ils parlent. Pour moi, les objectifs de cette année, ça va être de toute façon de rentrer régulièrement dans un top 10, d'aller chercher le top 5 le plus souvent possible et ensuite de viser des podiums dès qu'on se sentira à l'aise et dans des conditions où voilà, on peut imaginer une course un peu difficile avec des conditions de piste mitigées ou de la pluie. Voilà. On a ces objectifs-là dans la tête. Ce sont toutes ces qualités de sagesse, de ténacité, de courage qu'il porte lui-même et qui sont un vecteur vraiment très important de l'image de tous les sponsors qui vont avec lui. Alors en effet, je crois que Louis, il est doué, il est talentueux, mais également il sait trouver des partenaires, il sait fédérer autour de lui et c'est une grande qualité pour un pilote automobile ou un pilote motocycliste. Aujourd'hui, il est bien sur la voie pour être un jour champion du monde et on en a ce soir tout à fait l'illustration. Voilà, une histoire merveilleuse.